Yo les gens, c'est Boifillon, et aujourd'hui en compagnie de Topido, on part affronter des méchants hackers sur le Darknet. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre meilleur pouce bleu, de commenter, c'est très important pour le référencement et pour faire grossir la chaîne. Hein. Et si la map vous a plu, vous pouvez soutenir les créateurs en utilisant le code JALF. Allez, c'est parti. Pour avancer et réussir cette aventure, rendez-vous sur mon site internet. Ok, donc peut-être il faut que j'ouvre la mienne et ensuite je vais trouver un indice pour la tienne. Alors moi non, le code c'est 274, on va tester ça. Dans la salle, je crois pas, hein. Je suis en train de fouiller mais... Ça je me rappelle qu'ils avaient mis... Ah attends, il y a écrit... Code du... Plus... Au plus. Du quoi? Bah c'est un texte à trous. Attends, moi j'ai 5. J'ai un chiffre 5. Code du plus... Petit au plus grand. C'est logique parce que moi là tout de suite. Bah soit c'est code du plus petit au plus grand, soit c'est code du plus grand au plus petit. Ok. Sinon je vois pas ce que tu peux remplacer dans le texte. Ah j'en ai un autre, 7. Ensuite tu m'avais dit quoi comme 3, 5 et 7 je crois. Du coup on fait 3, 5, 7, 5, 3. On voit pas. 3, 5, 7. Moi je suis dans une autre salle, maintenant il y a écrit porte 4. Et c'est peut-être à moi de trouver l'interrupteur. J'ai trouvé porte 3. Ah nice. Ok, porte 4. Let's go. Ok. Okay. Porte 5. Moi il y a écrit porte X. T'entends. Et j'ai la porte 6 qui est verrouillée. Est-ce que tu peux passer ici? Genre, je sais pas si tu vois mon ping. Non, je vois pas ton. T'as une porte ici. Mais je t'entends, elle est verrou. Je crois qu'on a. Ouais, je te vois. Je pense que tu vas pouvoir l'ouvrir et me donner des objets. Parce que j'ai une petite vue dessus. Mais tu peux pas. Attends, moi je. Là. Tu m'amènes un flambeau. Va falloir que tu me trouves un flambeau. Ouais, mais le flambeau il est fermé dans, dans une cage de protection. Ok. Bah attends, j'ai un bouton. Porte X. Ok, la porte X est ouverte. Désactivée. C'est bon, j'ai désactivé. Hop. J'ai récupéré le flambeau. Il fallait taper ? Non, non, il y avait un bouton. Tiens. Ok, thanks. Du coup, faut que tu m'ouvres la porte 6. Oh, bah ça c'est calme. Hop, ouverture. Yes, on est ensemble. Ok. Ok. Let's go, baby. On fait quoi ? On fait un braquage de banque ou... Ah, il y a un texte. Indice. On vous dit l'indice ? Bah, vas-y. Hein. Trouver le mot code pour... pour le tapis en majuscule en bas de la page du site, le site vous dira comment sortir d'ici. Ok. Du coup, il faut qu'on trouve un code. Ok, il y a. Je crois que je l'ai trouvé. Code entier ou une lettre? C'est un I. J'ai trouvé un I. Ok. Ah, j'ai trouvé un U. Trouvé un I, t'as trouvé un U, donnez-moi un I. J'ai trouvé un T. Moi, si tu trouves tout, moi j'attends sur le site. Ah, j'ai trouvé un N. Ok. C'est forcément une référence à. Putain, d'habitude on trouve les mots en 2-2 et là on tergiverse là. Les indices nous donnent pas d'indices. Il nous manque des lettres. Comment tu sais qu'il nous manque des lettres? Attends, ça veut dire quoi? Vas-y, googlise ça et dis-moi ce que ça veut dire et je te trouve. Ah, attends, j'ai pas la ref. Je pense que c'est une ref. Je sais pas ce que ça veut dire. Vas-y, dis. Si je me trompe pas, le mot c'est. Rutaine hydro. Quoi? Ça a lagué. Rutaine hydro. Attends, j'essaie. Non, c'est ça. Rutaine hydro. C'est bon? Ouais, c'est passé, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Mais Google, quand il te traduit, ça te dit quoi? Bah, il dit que ça trouve pas. Ah. Enfin, c'est pas un mot. Bon, du coup, après, tu vas sur le site. Indice, salle miroir. Alors, ils mettent 1, 2, 3. Bouton lampe, badge, casier, clé sur la table derrière la porte. Il faut qu'on prenne référence le mur. Bah, le mur, t'as un petit texte. Non, mais le mur du milieu. C'est lui qui nous fait la référence parce que c'est en fonction des miroirs. Donc, c'est forcément. Non, c'est celui-là. C'est ici. T'es sûr? Oui, regarde, dans l'angle, on voit deux miroirs côté gauche et un miroir en hauteur.
Deux miroirs. Dans notre angle, on voit pas. Non. Donc c'est forcément de ce côté. On va vérifier, mais... Tu vois, là, il y en a un, et là, il y a les portes. Ouais, ils sont pas penchés de la même façon. Donc c'est forcément ici. Bah du coup, c'est celle-là. Bouton lampe. Pour moi, il prend... Elle est là, elle est là. Ah, t'as trouvé? Ouais. Ok. T'as appuyé? Non. C'est bon, j'ai activé. Ok. Bouton lampe, c'est bon. Ensuite, c'est casier. Badge casier. Il est là. Le casier, tu vois, il est là. Ouais, bien joué. Ça frappe. Et maintenant, c'est quoi? 3. 3, c'est sur le mur. Clé sur la porte derrière le... Non, sur la table derrière la porte. Bah, elle est là. Derrière la table? Non, il est là, il est là. Ouh, j'ai pas... Ok. Sur le bureau. Ça, c'est bon. On peut y aller. C'est cette porte qu'on a ouvert. Ouais. Nice. Par contre, le mot, je sais pas, hein, voilà. Pas très. Très facile. Verrouillé. Ok. Pas un trou dans le tapis. Une porte ouverte. Ah, j'ai une clé. Ici, y a... il faut ramener un pistolet. Pour vraiment... Attends, j'ai ouvert une porte, je crois. Ah, t'as ouvert ça, je crois. Je crois avoir entendu. Il y a peut-être plusieurs clés pour ouvrir la porte, mais. Ah, j'ai un passage secret. T'es nul. J'ai... Hé hey, j'ai un checkpoint. Nice. Là, là, regarde. J'ai ouvert la cellule. Ok. Attends, j'ai ouvert. Les hackers sont pas... Non, mais on n'a pas l'arme. Ah, ils sont là. Non, non, ils sont de l'autre côté. Non, mais les armes. Moi, j'ai ouvert les cellules, je crois. Que non. What? Je me suis fait rec. Utiliser les distributeurs automatiques. Ok. Attends, je crois qu'on a été trop vite. Il faut déverrouiller la porte ici. Non, mais on peut nettoyer. Oh le bâtard. What? Oh, j'ai plus de balles. Putain, t'es en train de combattre. Bah oui. Oh, mais ça marche pas! Mais du coup, c'était. Je comprends pas la logique du code en fait. Bah attends, la logique, il y a forcément un truc. En vrai, si tu prends le mot, tu le retournes. Regarde ce que ça fait. Attends, je vais voir. Ça fait un mot. Ah, ordinateur! Putain, ils sont forts. Ouais, mon gars. Ils sont forts. Et en plus, en soi, c'est logique, vu que le lundi c'était miroir. Il y a la clé là, là il y a une clé. Ah bah GG. Ça va top. Ah, let's go. En vrai non. Ah. J'avais dit qu'il y avait de la grille encore. En vrai ils sont forts. La team Jalf, code créateur team Jalf. Faites vous plaisir. Oh paye paye. Il en reste un. Ah vas-y. Ah bien. T'allais prendre une tête à sa place. Ah ouais, en plus on peut se tuer. Ouais, je sais pas t'as combien de points de vie mais... 34, tu m'auras tué. T'as la bagarre, le boîtier électrique Wi-Fi a été explosé. Rebranché dans une des salles à l'étage au plus vite. Okay. Ok. Attends, mais je vais voir sur le site encore du... Oh merde, ma webcam. Oh non, ça... Du coup ça... Oh. Non, c'est pas grave. Oh non, il y aura un putain de gros XSplit. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Le logiciel a crash. Il y a peut-être un bouton dans une seule des salles. Ah! Ici! Réactiver le Wi-Fi. Nice. Ok. Code site, erreur anti-jolf. Ok, bah voilà, là on peut aller sur le site. La porte 1 de l'étage 2 vient d'être ouverte à distance. Ouais, c'est ouvert. Oh, il y a tranquille. Un truc. Mais pas la même salle. Ah, étage 2. Là on n'était pas étage 2. Ah bon? Non, on était étage 4. Ah, mais attends, il y a une. What the fuck? Ah ouais. Il y a une porte qui s'est ouverte toute seule. Bah, c'est ça qu'ils ont dit. Ah, on est pas rentré. Attends. Ah, attends. Ok, vas-y. Regarde. Et maintenant elle va s'ouvrir. Non? Attends. Non? Attends. Maintenant elle va s'ouvrir. Ouais. Je suis dedans. Ok. Je rappelle, votre objectif est de restaurer la page. Ils montrent le tag d'une clé. Ouvrir. Ok, c'est bon. Tu m'as ouvert la porte.
Attends, tu peux ouvrir ta porte ou je dois tout ouvrir? J'ai un checkpoint. Ok, du coup, je peux avancer aussi. J'ai un checkpoint. Est-ce que c'est pas une salle des différences? Je sais pas, Est-ce que t'es dans les... genre le sous-sol? Ouais. Ok. Et il y a plein de bordel partout. Oh shit. C'est la salle des différences. Ouais. Ok. Deux serres. Ouais. Un miroir. Oui. Une cible. Oui. Une porte. Une porte verrouillée. Ok. Au-dessus de la porte, il y a un lampion chinois. Ouais, orange, ouais. Ouais, ok. Ah, j'ai une clé. Ah, tu viens de m'ouvrir cette porte. Ouais, elle était dans un petit truc rouge, la boîte à outils rouge. Ok. Ok, moi je suis dans la salle informatique. Du coup, dans ma salle, il y a écrit 19-15-18-13. Il y a un indice où il y a écrit réflexion. Il y a écrit 17-26-15-20 égale JALF. Ça, je pense que c'est la place dans l'alphabet, non? Ben non, parce que déjà il y a un A, donc. À moins que tu fasses un décalage. Un décalage de. Du coup, de 15, non? De 26 lettres. Ah, tu fasses un décalage de lettres, attends. Attends, vas-y, je note sur un papier. 17. Attends, je mets un papier. 17. 26, 15, 20. 26, 15, 20. Et tu me dis que ça forme JALF. Égal JALF. Ouais. Ok. Bah, si on applique. Ah, ou alors c'est l'inverse. 26. Bah, l'inverse, c'est 0. Du coup, c'est la première lettre. On va appliquer l'algo moins 26, je pense. Modulo 26. Moins 26, modulo 26. Ah, si tu veux. Tu fais 17 moins 26. Ça fait moins 9. Du coup, ça fait 9. Ok. La 9e lettre, est-ce que par hasard, ça serait pas un J dans l'alphabet? Ouais. La 9, ça correspond à un J, tu vois, c'est ça? C'est bon. Ok, moi, j'ai compris. Du coup, t'as quoi? T'as d'autres numéros? Ouais. J'ai 19. Attends, hop. 19. 15. 06. 06. 18. 18. 26. Ah, il y en a encore 26. 07. 07. 18. 18. 13. 13. C'est bon? Ouais. Ok, bon, on applique le même algorithme. Du coup, on prend 19, on retire 26, ça fait moins 7, on retire le moins, ça fait 7. Ok? Ok. J'écris les chiffres comme ça et après je te dis les lettres que ça correspond. Non, non, mais moi j'appuie sur le 7 du coup. Vas-y, continue. Ah, okay. Après t'appuies sur le 11. Ok. Comment ça le 11? Ok. Non, je pose pas de questions. Ok. 6 moins 26, ça me fait 20. Après, t'appuies sur le 20. Ok. 18 moins 26, t'appuies sur le 8. D'accord. Après, on fait 26 moins 26, du coup, t'appuies sur le 0. Ok. On prend 0, 7 moins 26, du coup, t'appuies sur le 19. Ok. Attends, je me perds là. J'étais à 0,7, c'est ça? Du coup, 18 moins 26, t'appuies sur le 8. Ok. Et après, on fait le 13 moins 26, ça fait 13. Et non, parce que je peux pas. Attends. Je peux pas appuyer sur 3. Si je forme le mot, on va voir si c'est un mot français. H. L. Ouh là là. Non, c'est pas ça. En France, c'est ça déjà. U. On va voir ce que ça donne. J'ai le code, mais je comprends pas comment. Comment on va. C'est pas grave, vas-y, donne le code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 caractères. Hallucination. Hallucination. Le code, c'est hallucination, je sais pas comment, mais. On va demander à Buffy comment il a trouvé ce code. Ok, tu m'as ouvert la porte, Nice. J'ai rien fait. Ah bon? Tu m'as ouvert la porte, je sais pas comment. J'ai rien fait. Trouvez le mot code pour le taper en majuscule en bas de la page du site. Le site vous dira comment sortir. Attends, mais ça se trouve, ta porte elle était déjà ouverte, non? Non, non, elle était fermée, je suis sûr. Ça veut dire que tu l'as déverrouillé en... Peut-être que mon code était bon. Mais j'ai rien fait. Et t'avais pas essayé mon code? Mais oui, mais j'avais oublié une lettre.
Du coup, ça me faisait rire. Et de toute façon, c'est le site, c'est pas relié au jeu. Mais t'as pas tapé un code pour ouvrir ma porte à moi? Bah, tout à l'heure, ouais, j'ai tapé un code, mais... Attends, là, j'ai 26, 15, 24, 13, 0, 7, 12. Non, mais déjà, attends, on va taper hallucination sur le site et on va voir ce que ça donne. Bah, il y a marqué indice plus code à mettre sur le site. Ok, j'ai 1,83. Ça va la porte, nice. Vas-y, ouvre la mienne. Bah, j'ai fini. Hein? Allez, ferme la tienne. Bah, ok. Bah, c'est bon. Ah putain. On a stocké les bikes. Non, mais là, mais ça se trouve, mon code. Le code que tu m'avais dit. Ça se trouve, ça a ouvert ton code. Ça a ouvert ta porte. Je pense que c'est ça, c'est que le code que je t'ai donné a ouvert ma porte. Et après, du coup, bah, je peux continuer avec l'indice. Et du coup, trouver le mot hallucination qui permet d'aller sur le site, qui permet de trouver l'indice pour ouvrir la dernière porte. Ok. Bon, voilà, on a gagné, ça fait plaisir. Ouais. Mais ils disent épisode 2 pour les 2000 abonnés Instagram. Non, ça fait compliqué, mais Dopido est un hacker professionnel. Rien nous résiste. J'avoue, c'était pas mal, mais c'était chaud, vraiment, hein. Les neurones, ils ont chopé, là. Ouais, là, les codes, ils sont encore plus galères que les autres maps, je trouve. T'as encore plus de codes qu'avant. Putain. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur, même bonheur. Bye bye!